Bonjour, je suis Hakim Lalam et je vous propose ma chronique du lundi 3 octobre 2022. Elle s'intitule Le combat épique entre ma voix intérieure et le petit pont magique. Non, tu ne céderas pas, Hakim. Face à la tentation, tu résisteras. Mais bien sûr, ma voix intérieure, que je vais résister. Chère voix intérieure, très intérieure, voix enfouie profond sous mon amas de graisse, je vais tout faire pour résister à cette tentation. Mais je t'informe, très respectueusement, avec l'immense déférence que chacun de nous doit à sa voix intérieure, que ça va être dur de résister à cette tentation-là. Mon Dieu, le petit pont que Youssef Attal a mis à Neymar lors du PSG Nice au Parc des Princes Qatari. Voilà que tu baisses les bras et te laisses gagner par la faiblesse. Tu es un faible, Hakim, de te faire ainsi submerger par le one-two-trisme. Ressaisis-toi, que diable! Oui, ma voix, je vais tenter de me ressaisir, mais le diable que tu évoques justement, il est dur à combattre. Surtout le diable du foot total régal, mon Dieu, le perfide diable fouteux que voilà, qui m'a fait passer et repasser des centaines de fois la vidéo de ce petit pont. Et puis attends ma voix, même Neymar a checké Attal après ce geste, alors... Alors, tu fais comme tous ceux qui professent la religion au football et empoisonnent leur peuple avec cet opium. Non, Hakim, toi, tu n'as pas le droit d'emprunter ces chemins-là. Ils te sont éternellement interdits. Oula, ma voix, tu me fais peur, là. L'opium, moi. Mais moi, c'est Hakim, pas Momo. Et puis, t'es ma voix tout de même. Depuis que tu es à l'intérieur de moi, depuis le temps que nous nous connaissons, tu devrais savoir que j'ai horreur que l'on m'interdise un chemin. C'est simple, dès qu'on me refuse un accès, un sentier, ou même un parcours de randonnée oublié de tous, même des chèvres, c'est là que je m'entête. À tous les coups, tu me verras tout faire pour l'emprunter, cette route interdite. Et puis franchement, ma voix... Tu ne crois pas en faire un peu trop juste pour une phase de jeu qui ne prête pas à conséquence au fond, puisqu'à la fin, l'OGC Nice a perdu. Bien au contraire, c'est toi justement qui en fais des caisses pour un petit pont. Qu'est-ce qu'un petit pont lorsqu'un grand pont, de grands ponts, d'immenses ouvrages d'art et de génie attendent le pays? Réveille-toi enfin! Ou au moins, n'essaie pas d'endormir les autres. Je suis ta voix intérieure et je te l'ordonne. Mais que fais-tu? C'est quoi cette camisole? Pourquoi cette kmama? Laisse-moi te raisonner encore et encore. La ferme, la voix. Silence. C'était Attal et c'était Neymar. Alors la voix, pour une fois, s'il te plaît, de grâce, ferme ton clapet et ne l'ouvre que pour fumer du thé en silence afin de rester éveillé à ton cauchemar qui continue. C'était Hakim Lalem, je vous retrouve demain pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.